ce que représente pour moi la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste. Ça représente la fin d'un sommet dans ma carrière, d'avoir joué dans cette église magnifique sur un instrument aussi extraordinaire, un instrument extraordinaire malgré son état d'usure assez avancé, surtout au niveau de la console, de la partie des claviers. Malgré cet état d'usure, c'est un instrument exceptionnel que j'ai eu énormément de plaisir à jouer. Même si c'est un événement triste, évidemment, très triste, la fermeture de l'église, je ne pourrai jamais oublier les moments de bonheur que j'ai eu à jouer ici. L'orgue du temps, au départ, c'était une Napoléon Derry. Napoléon Derry, c'était encore un paroissien. Donc, on était chanceux, on avait tous ces gens-là à la portée. Alors, lui avait construit son orgue, sauf que Mgr Laberge ne le trouvait pas assez puissant. Donc, il a demandé, il a fait appel aux frères Casavant, qui ont gardé quand même à l'intérieur le Napoléon Derry. Ils ont quand même gardé des tuyaux et du mécanisme, sauf qu'eux l'ont bâti beaucoup plus complet, je vous dirais, avec 5000 tuyaux. Ça paraît pas en façade, ça paraît pas, mais à l'intérieur, cet orgue-là est très, très puissant.